Allez, bonjour à tous, chers camarades, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Encore toutes mes excuses pour la dernière fois. Un live programmé qui n'avait pas été honoré. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du Joypad numéro 4 qui date de janvier 1992. Ça ne nous rajeunit pas. C'est un numéro que j'avais eu à l'époque. Je m'en souviens encore parfaitement. Alors, Raoff, c'est un Mario. Non, c'est la musique de Ristar sur Mega Drive. Salut Mani Mani. Salut Baron. Quackshot, quel jeu magnifique, oui. On est d'accord. Allez, ne perdons pas de temps, les amis. Salut Kaz. On va feuilleter tout ça ensemble. Alors, précision tout de même. Je n'ai pas toutes les pages, voilà, il manque des pages dans ce numéro de Joypad numéro 4, malheureusement, et je ne vous cache pas que ce sont les meilleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de compenser avec des scans du site Abandonware. De la neige dehors. Ah, il neige dans ton coin, ok. Un café chaud et un live, que demander plus exactement. Mettez-vous à l'aise. C'est vrai que de mon côté, il ne neige pas encore. D'ailleurs, petite annonce, hein, je vais me rendre chez Colique la semaine prochaine. Alors pourquoi j'en parle? Parce que voilà, j'ai acquis une voiture il y a peu de temps. Et j'espère qu'il n'y aura pas de neige parce que j'ai pas encore acheté de pneus neige. J'y pense du coup chaque jour, je me dis merde, j'espère qu'il n'y aura pas de neige, sinon je suis dans la merde. Alors, sinon il va falloir que j'en achète juste avant. Moins 6. Salut Pyramidus. Je me demande si je l'avais pas lu à l'époque. C'est pas celui avec le test de Zelda 3. Alors honnêtement, je m'en souviens plus là. Il neigeote aussi. Ouais. Salut Penpen. Ouais, l'amour des hommes. Donc ouais, non, là, je prends un petit risque là. Là, je prends un petit risque sans pneu neige. Mais on va voir. On va espérer que les températures baissent un peu. Salut Moa. Des quatre saisons, prends pas la tête. Ouais, mais alors j'hésite quand même. Les quatre saisons, le problème c'est que bah, vous savez, ça s'use plus vite, ça coûte plus cher, mais bon, ça limite, on peut dire que ça se rentabilise. Et semble-t-il, alors je parle pas de performance hein, parce que j'ai pas une voiture, j'ai pas une grosse cylindrée, on va dire, mais disons que voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour notamment pour la consommation d'essence. Bon, écoutez, c'est un autre débat, on en discutera dans un live ultérieur. Allez, c'est parti. Oui, ça dépend des coins en fait. C'est sûr qu'en Moselle, ça peut être justifié. Dans mon coin, bon, il neige quand même très peu souvent, mine de rien. Donc, du coup, un programme, vous voyez, bah, comme souvent dans les premiers numéros. De ces magazines assez chargés, donc on a énormément de Game Boy là. On a combien? Plus d'une dizaine de jeux Game Boy, de la Game Gear, même de la Lynx, enfin plus beaucoup, de la Mega Drive, Master System, Nintendo, Neo Geo. Alors pas beaucoup de... Ah mince, vous voyez, ça commence fort. On a déjà une découpe, vous voyez. Bon, ça je le savais, hein. C'est bon, c'est agaçant. Après, c'est un truc que j'aurais pu faire à l'époque, hein, donc je ne critique pas. J'aurais pu être assez con aussi pour découper des pages, mais bon. Ça commence par le courrier des lecteurs. Salut Vegas, salut Yann. Est-ce qu'on se lit pas un petit peu le courrier des lecteurs pour rigoler un coup? Alors, première question, quand sortira la Super NES américaine? À quel prix? Combien coûteront les jeux? Est-ce que les trois Super Famicom seront compatibles? Y aura-t-il un adaptateur pour les jeunesses? Voilà, alors du coup. Donc, ils répondent. Bon, ça, je vais pas. On va pas dire ça. Une autre question. Y aura-t-il un Street Fighter 3? Donc, ils répondent. Street Fighter 3 sort dans les salles d'arcade ce mois-ci. Alors là, les mecs, attendez. C'est vrai que je suis pas très bon. J'ai pas très bonne mémoire. J'ai pas la. Très bonne mémoire des dates. Alors Street Fighter 3, quelle est la date de sortie de Street Fighter 3? On est d'accord qu'il est sorti en 99.
Et là, ils nous disent Street Fighter 3 sort dans les salles d'arcade ce mois-ci. Ok. Donc je pense qu'il devait parler du Turbo, peut-être. Il devait parler du Turbo, je pense. Bon, bref. Il est effectivement question de voir le 2 sur Mega CD. A priori, Street Savage 2 était prévu sur Mega CD. Ensuite, y aura-t-il un Sound of Force 4? Ils disent Sound of Force 4, il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête en si bon chemin. Oui, bah, de toute façon, il sortira. Non, a priori, c'est 99 la sortie de Street Fighter 3. Ah, moi, non, peut-être pas le premier, oui, t'as raison, ça doit être le Source Strat qui doit être le 99. Il sortit en 99. Bref, ensuite, Super Gulson Ghost est vraiment sublime pour la Super Famicom, mais sortira-t-il un jour sur la Mega Drive? Qui répondent, et la Super Gulson Ghost n'est pas prévue pour l'instant, il semble que Capcom ait réservé cette version à la Super NES. Ok, question suivante, la Giga Drive est-elle une console à part entière ou ne s'agit-il simplement que de la jonction d'un Mega CD à la Mega Drive? Est-il vrai qu'on prépare Final Fight sur Mega Drive? Réponse, on ne sait strictement rien sur la Giga Drive. Pour être tout à fait franc, je vais te donner l'impression qu'on a de la chose. Il y a des types chez Sega qui ont dû en parler et dire que c'était un projet de console 32 bits. Du coup, le bruit s'est répandu très rapidement et tous les journaux s'en sont fait l'écho. Ok. Baron, troisième itération du 2 certainement, mais c'est mal formulé. Bah oui, c'est mal formulé parce que bon, Street Fighter 3, c'est Street Fighter 3. Mais bon, c'est à l'époque, souvent on simplifie un peu les choses comme ça, c'est assez commun. Ensuite, est-ce que Nintendo prépare un Mario 5 sur Super Famicom? Pourquoi ne publiez-vous jamais le courrier que j'envoie? C'est très vexant. Il n'est pas content. On n'a pas d'infos sur le cinquième épisode de Mario, mais je parie qu'il y en aura un. Désolé pour ton courrier, ok, on s'en fout. Bon. Voilà. Pour la découpe, c'était la cover de 8 Man sur Neo Geo. Ok. Alors pourquoi le mec l'a découpé? On ne sait pas. C'est marrant les questions que les mecs posaient. Oui, bah c'est un peu les questions qu'on se posait nous. Hein. C'était toujours est-ce qu'il y aura une Mega Drive 2? Est-ce qu'il y aura. Est-ce que Street Fighter 2 va sortir sur Master System? Genre de questions, bon. Allez, du coup, alors ça c'est assez marrant de se plonger comme ça dans les années 90. Donc on voit AHL et GM Destroy dans les rues d'Akihabara, je pense. Donc voilà, ils faisaient partie des quelques chanceux qui se rendaient au Japon à cette époque. Ils étaient peu nombreux. Ah, c'est aussi à partir de ça qu'ils ont bâti leur aura. Et le respect aussi que l'on avait pour eux, c'était que c'était pour nous, c'était véritablement des messies. Ils annonçaient la prophétie japonaise. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut lire là ici? Alors, de nouveaux jeux sont en cours de développement sur la Super Famicom et sur la Mega Drive. Parmi ceux-ci, notons la présence de Batman de Sunsoft sur Super Famicom. Et de Uncle E-Eyes Big Top Fun sur Mega Drive, ok. Des rumeurs de plus en plus pressantes se font entendre comme quoi Sega a prévu de sortir Sonic the Hedgehog 2 sur CD-ROM. Certes, pour l'instant, ce ne sont que des simples rumeurs, mais lorsqu'on y réfléchit un peu, il semblerait qu'elles pourraient se vérifier dans un avenir plus ou moins proche. Bon, finalement, ce sera le Sonic CD. AHL et GM Destroy avec 30 ans de moins, c'est ça. Après, il était quand même déjà âgé. Je sais pas quel âge il avait, AHL, mais il avait déjà 40 ans, non, un truc comme ça. C'est là qu'on voit que c'était vraiment. C'était un pionnier, quoi. C'était un pionnier et vu son âge à l'époque, c'était un ovni quelque part. Ce qu'il a déjà raconté, mais il n'était pas du tout destiné à faire ça. Travaillait plutôt, je crois, dans la production musicale, dans l'industrie musicale, je crois. Enfin, bref, ça n'avait. C'est un autre domaine. Alors, attends, il y a Xbox qui dit le texte sous GM Distrob et HL est complètement goldé, donc on va le lire.
Comme l'année dernière, à la même époque, une époque bien choisie, il est vrai, juste avant les fêtes, nous sommes allés chez les Nippons, histoire de recueillir un peu de nouvelles fraîches de différentes maisons d'édition qui savent faire comme des bêtes sur leur bécane de programmation pour nous offrir des titres canons en prévision de Noël et de la nouvelle année. Des titres canons, ça c'est une expression qui fleure bon les années 90. Il faut reconnaître qu'en matière d'affairement, les tongs, ah oui, je m'en souviens de ce texte, effectivement. Il faut reconnaître qu'en matière d'affairement, les tongs, eux, pardon, les japonais, sont vraiment... Excusez-moi, là, je vais passer pour un gros beauf, parce que c'est vraiment un texte de beauf, mais ça me fait rire. Bah, c'est les années 90, les mecs, c'est... D'aucuns diraient que c'est du racisme latent. Moi, ça me fait marrer, parce que... Voilà, c'est la vision qu'on avait, qu'avaient les Français des Japonais. Les Japonais sont vraiment hyper balèzes. Ils ont beau grouiller dans les rues. Ce terme, grouiller dans les rues. Bref, un peu comme nous sur les Champs-Élysées. Bon, voilà. Ils font parler avec nous, donc ça va. La veille du Nouvel An à 23h30, ils sont également d'une efficacité, d'une rapidité tout à fait exceptionnelle. Donc le japonais grouille, il est rapide, il est efficace. Ce n'est pas les news et les previews un peu spéciales et franchement canon. Putain, il faut qu'ils arrêtent avec ce mot canon. De ce mois-ci qui nous démentiront. Jetez donc un coup d'œil sur le volume et sur la quantité de titres. Vous allez en tomber sur les fesses, et encore le mot est faible. Nous y sommes, alors asseyez-vous bien confortablement, prenez une tasse de café pour ne pas vous endormir de fatigue à la lecture de ce long reportage aux côtés duquel la légende des siècles fit figure de brochure touristique. Bon. Voilà. Bon, c'est vrai que les tongs, fallait oser quand même. Ça passait crème. Les Japonais vivaient dans des pension à boire du saké, vous voulez des tableaux de nuit, c'est ça. Allez, on avance. Donc Super Valis, Super Famicom. Donc c'est le Valis 4 celui-là. C'est pas la valise numéro 4, c'est Valis 4. Déjà fort des possesseurs de MSX, de PC Engine et de Mega Drive, Valis est un jeu d'arcade qui se renouvelle sans cesse. Bon, c'est pas. J'arrive pas que c'est pas sa caractéristique première d'être un jeu d'arcade, mais bon. Cette fois-ci encore, nous aurons droit à la nouvelle version des aventures de Yoko, la belle et valeureuse guerrière. Graphiquement encore plus superbe que les autres versions, Super Valis, c'est une superbe réalisation sur Super Famicom et on pouvait s'y attendre un peu. Salut Lampiono, salut MK. Ouais, ok. Ensuite, alors ça c'est drôle, ouais. Contra Story. Donc, il parle de Contra Spirit. Alors, je me demande, est-ce que c'est pas une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture des katakana story? Parce que pour moi, ça n'a... À moins que ce soit le nom de code, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il est complètement inutile de vous présenter Contra, tant ce jeu a séduit au cours de ses diverses adaptations sur Game Boy et sur NES. Ici encore, on a le droit au même scénario dévastateur. Mais alors, la vache, qu'est-ce que ça arrache? Yo, Tiger! Mais alors, la vache, qu'est-ce que ça arrache? Je vous raconte même pas toutes les horreurs que le combattant est capable de faire avec les armes qu'il aura à sa disposition. Je me moque pas hein, du style d'écriture, mais on a l'impression que c'est des lycéens qui ont écrit ça. Avec les armes qu'il aura à sa disposition tout au long de la dizaine de niveaux que ce jeu comporte, du lance-flamme en passant par le lance-roquette et la mitrailleuse lourde, votre mission provoque un véritable carnage. Contra Story est un jeu ultra fantastique qui vous présentera aussi des graphismes de haute volée tels que seule une machine comme celle de Nintendo est capable de réaliser. Super. Et c'est exactement ça, ce style d'écriture d'ado attardé. Alors, je ne sais pas ce qui est le pire. Est-ce que c'est des adultes qui singent l'écriture d'adolescents, ou est-ce que c'est vraiment des adolescents qui écrivaient ça? La deuxième option n'est pas impossible, parce que je pense qu'ils faisaient faire le travail des news, peut-être par des pigistes, ça pouvait être des gamins ou des stagiaires. Donc je ne sais pas, salut cousin. En tout cas, on sait... Oui, c'est écrit pour les ados. Non, mais attention, je ne me... Enfin,
Là, j'ai un regard, on va dire critique, abusé, mais c'est pas méchant. Enfin, je veux dire, encore une fois, ne faisons pas preuve d'anachronisme. À l'époque, ça ne nous choquait pas du tout et c'était adapté au lectorat. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, on a la preview de Double Dragon 2 sur Mega Drive. Ce jeu de baston conversion d'arcade devrait être disponible à l'heure où vous lirez ces lignes, pouvant se jouer à deux simultanément. Vous jouez le rôle de deux frères en lutte contre un gang armé. Graphiquement moyen, Double Dragon 2 devrait cependant se faire un bon nombre d'adeptes parmi vous. Et puis, de toute manière, les jeux de baston ont toujours eu leurs fans sur Mega Drive. Regardez Streets of Rage. Alors, ça, vous voyez, ça fait de la peine de voir ça. Power Drift sur Mega CD, donc qui était prévu et qui n'est jamais sorti à ma connaissance. C'est dommage. Donc Power Drift Mega CD, annoncé pour le courant de l'année prochaine. Power Drift, une course de cartes menée à une allure démentiellement rapide, est en cours de conversion. Animation superbe, comportant des musiques géniales. Power Drift est un jeu qui devrait faire parler de lui lors de sa sortie. Voilà. Et malheureusement, ce jeu n'est jamais sorti. Il n'a jamais été converti sur Mega CD. Non, c'est pas Street Racer. Je pense que c'est vraiment Power Drift. Non, c'est Power Drift. Non, je pense que c'est Power Drift. Ça qu'on voit pas très bien, mais... Ensuite, Trouble Shooter, évidemment. Battlemania. Shoot très sympathique. Rien que par le nom, on se doute que Trouble Shooter est un shoot 'em up. Par rapport à ses concurrents immédiats, la seule originalité de ce jeu réside dans le fait qu'un seul joueur peut diriger deux personnages simultanément, des petites nanas armées jusqu'aux dents. Trouble Shooter n'est toutefois pas extraordinaire. Nous n'avons pas été bouleversés devant la qualité de cette production. Bien en deçà des hits sur cette console. Je ne sais pas pourquoi ce jeu s'est fait défoncer à sa sortie. Même le test, hein, il s'en est pris plein la gueule, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il me paraît bien plus original que la majorité des shoot'em up. Mais bref, c'est vraiment un truc que je n'ai jamais compris. Il y avait Julien Chies comme pigiste à cette époque. Bah, je sais pas si tu rigoles, mais moi, ça me paraît jeune quand même, non ? Je pense qu'il était déjà pigiste, non ? À l'époque, on parlait tous comme ça au buraliste quand on lui réclamait le nouveau Joypad. Ouais. Quand Greg est arrivé chez Joypad, il semble qu'il était en noir lycéen. Enfin, il était en noir lycéen. Il était en noir ! Il était noir à l'époque ! C'était un noir ! Je ne pense pas, il était trop jeune. Oui, ça me paraît quand même tôt, mais peut-être qu'il en a parlé. Non, cela dit, je sais qu'il a bossé chez Joypad, mais ça me paraît tôt quand même. Coconut, ouais, Coconut. Enfin, ce nom aussi. Donc là, on a pas mal de previews sur PC Engine. Dino Force, Spiral Wave, Ninja Gaiden, le Ninja Gaiden sur PC Engine. Ninja Gaiden est un titre célèbre sur console, déjà converti sur Lynx et sur Game Gear. Maintenant, la PC Engine va pouvoir profiter des octets de cet excellent jeu de combat qui se déroule suivant un scrolling horizontal. S'il est vrai que les personnages semblent un peu petits, c'est pour permettre une plus grande rapidité dans le jeu. Ne paniquez pas et sachez apprécier ce jeu à sa juste valeur. Ok. Chies est arrivé avec la PAO de 32 bits. Oui, ça me paraît beaucoup plus tardif. Là, on a une interview. Alors, je vais peut-être essayer de la résumer. Ça peut être intéressant. Sega mise sur l'Europe. À l'occasion de notre passage au Japon, nous avons l'occasion de rencontrer l'un des principaux responsables de Sega. Monsieur Kunimasa Yagi, le directeur général du département Overseas de Sega. C'est donc lui qui est responsable de l'expansion de la firme dans le monde. Question de Joypad. Sega a le vent en poupe ces temps-ci et on parle beaucoup du succès de la Mega Drive aux USA et en Europe. Êtes-vous satisfait de ces résultats?
Réponse. Le parc mondial de Mega Drive est actuellement de 4 millions d'unités, dont la moitié aux USA. La Mega Drive s'est donc imposée comme la console 16 bits numéro 1 et la demande est très forte en ce moment. Nous allons réaliser des ventes très importantes pendant les fêtes de fin d'année et 92 sera une très bonne année pour la Mega Drive. Bah, c'est vrai que 92, c'est un petit peu... Je ne dis pas que c'est l'âge d'or de la Mega Drive, mais disons que c'est l'année où elle avait le champ libre, en quelque sorte, puisque la Super NES, Super Nintendo n'était pas encore sortie partout. Attendez, là, c'est quelle date exactement, c'est quel mois, là? Oui, janvier 92. Donc là, ils avaient littéralement, en fait, ils avaient littéralement un an devant eux. Ils avaient littéralement... Alors, je sais qu'elle est sortie au Japon, la Super Famicom, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais... dans le monde, alors je sais plus quand elle est sortie aux États-Unis. Là, j'avoue que j'ai un trou de mémoire, mais clairement, elle avait un avantage du simple fait qu'elle était sortie en amont. Et à cela s'ajoutaient des jeux qui devenaient vraiment, vraiment intéressants. Non, parce qu'il y avait déjà des jeux intéressants, mais il y avait un paquet de hits qui sortaient en 92. Donc oui, ça a été un moment phare pour la Mega Drive. Ensuite, je pense que 93, ça s'est un petit peu tari. Enfin bref, parenthèse fermée. En effet, la demande a augmenté si rapidement que certaines de nos filiales se sont retrouvées à court de stock. Jusqu'ici, nous nous réunissions une fois par an pour faire une estimation de la quantité, mais il nous faudra désormais prendre ce genre de décision deux fois dans l'année pour mieux coller à l'évolution du marché. Ok. Question de Joypad. Devant le formidable succès remporté par la Mega Drive, certains se demandent si cela signifie que la Master System sera abandonnée prochainement. Réponse. Il n'est absolument pas question d'abandonner la Master System. Bien au contraire, nous comptons vendre plus de Master System que de Mega Drive en Europe cette année. Et particulièrement en France, ça c'est énorme quand même. C'est là qu'on voit quand même que la Master System, c'était vraiment un gros succès chez nous. Hein. La bise à Ozaki. On se rend pas compte du succès et moi ça confirme mes impressions de l'époque. Je répète, quand on allait à Continent ou dans un hypermarché, les rayons Master System, ils étaient énormes. Le rayon Master System dans mon hypermarché, il devait faire 5 mètres de long. C'était vraiment impressionnant. Les possesseurs de Master System n'ont donc aucune raison de s'inquiéter. Voilà, donc il dit qu'il y aura des nouveautés sur Master System. Ok, ensuite. Redoutez-vous la concurrence de la Super Famicom? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, bien sûr. Car nous pensons que la concurrence est un facteur très positif. Oui, on l'a vu par la suite. D'autre part, il semblerait que Nintendo commercialisera sa console 16 bits en Europe au printemps. Ce sera en septembre, il me semble de mémoire. À ce moment-là, la Mega Drive sera fortement implémentée et la Nintendo aura beaucoup de mal à nous rattraper. Comment se présente la situation aux USA? La Super NES est disponible aux USA depuis septembre, donc du coup, voilà, donc on a la réponse. Et les ventes sont nettement moins importantes que Nintendo ne le prévoyait. Chaque mois, nous vendons plus de Mega Drive aux USA que Nintendo ne vend de Super NES. Et je pense que ça correspond à la réalité au début. C'est-à-dire, au début, il y a vraiment eu une grosse inertie, notamment suite au succès de Sonic. Et oui, ils ont un peu galéré au début, Nintendo, pour attraper Sega. Bon, après, ça s'est fait en 93, pour faire simple, je pense. Ils ont dû les rattraper une année plus tard. Après, alors, c'est une question marrante, ça. Question de Joypad. Récemment, il s'est avéré que certaines cartouches japonaises comme Wonder Boy 5 ou Rolling Thunder 2 ne fonctionnaient pas sur la Mega Drive française. Cela est-il accidentel ou s'agit-il d'une volonté de la part de Sega? Donc, réponse, nous avons pris la décision de contrôler les différents marchés. Voilà. Donc, nos cartouches seront protégées de manière à ne plus fonctionner sur les consoles européennes. Les cartouches... Ah, d'accord. Donc, ça, c'est après, c'est le zonage. Quand allez-vous commercialiser le Mega CD? Le Mega CD sera commercialisé au Japon début décembre et entre juillet et septembre en Europe. Donc il dit dans un premier temps, le Mega CD sera exclusivement consacré au jeu. Nous avons pris des contacts, des éditeurs pour ouvrir à d'autres types de programmes éducatifs ou des encyclopédies. Bon, on voit ce que ça a donné.
Ok, bon bah c'est toujours intéressant, ouais. On voit un petit peu le contexte. Je sais pas si c'est spécifique au 62, mais c'était vraiment les plus modestes qui jouaient sur Master System par schéma. Oui, bah oui, non, mais c'est l'impression qu'on a tous eu. C'était une console déjà très abordable, il me semble. Hein. Elle était pas très chère. Menteur, pauvre Master System. Ouais. Ok. Où est Zoukoulou quand on a besoin de lui? Rien que de voir les pubs de vente par correspondance, ça ne rajeunit pas, oui. Alors, je sais pas, est-ce que vous faisiez ça aussi, même si c'était mes parents? Mes parents donnaient leur numéro de carte par téléphone. Je sais pas si on se rend compte de ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils le faisaient aussi chez vous? Je m'en souviens. Et je crois même, attendez, mais c'est un truc de fou, n'empêche. Mais je pense même que la PlayStation, ils ont dû la commander comme ça. Hein. Je sais plus combien elle était la PlayStation. Allez, numéro de carte bleue au téléphone, tranquille. Niveau sécurité, c'était vachement. Bon après, ils n'ont jamais eu de problème, hein, mais c'est complètement surréaliste aujourd'hui, quoi. Ça c'est une pub, ça. Attendez, c'est une pub ou non, c'est pas une pub. Ma mère ne veut même pas donner la sienne pour payer Netflix. À l'époque, tu pouvais rien faire avec le numéro de carte bleue, il n'y avait pas de net. Ah, tu penses? Bah si, bah si, bah si. Tu récupérais le numéro et tu commandais aussi toi derrière. Si, bah attends. Pourquoi tu dis que tu pouvais rien faire? Si tu récupères toutes les données, bah tu peux les utiliser toi derrière ensuite. Jamais de ma mère l'avait. Enfin, ça... Ouais, bah, je sais pas, écoute, c'est peut-être que ma mère. Hein. Non, je pense pas que ce soit que ma mère, parce que je pense que, vu qu'il le proposait, c'était assez répandu quand même. Premier jeu sur la console. Ok. Même pour réserver des billets d'avion, on faisait ça. Ouais, c'était quand même assez commun, je pense. Ensuite, depuis quelques mois, les rumeurs allaient bon train à propos de la sortie officielle de la Super Famicom. Il n'était plus question de 93, mais du printemps 92. Ok. Bandai commercialisera la console CSV de Nintendo. Ça, je pense que ça, on est d'accord que ça a changé. Hein. Pour moi, c'est pas Bandai qui a distribué la Super NES. Elle sera commercialisée sous le nom de Super Nintendo. Ok. Elle sera vendue avec un jeu, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Super Mario Bros. 4. Le prix de l'ensemble est de 1490 francs. Ok. Je viens d'acheter Dead of the Brain 1 et 2 par CB par téléphone hier dans un magasin qui ne vend pas par Internet. Non mais après, si vous avez des gens de confiance, bien sûr, il n'y a pas de souci. Même si je ne suis pas sûr qu'en termes de sécurité également, alors je dis pas qu'on est sous écoute, mais... Bon, on est d'accord que c'est pas ouf. C'est sûr que si vous achetez chez Matos & Games, faut peut-être éviter de donner son numéro de carte bleue. Tu faisais ton nom de... Par contre, il vérifie en agence que la signature de chèque correspondait. Ok. Voilà, c'est un peu trop technique pour moi, mais oui, peut-être un contrôle. Salut Ryu. Par contre, remboursement, histoire de bien payer plus cher. Par contre, ah oui! Ah ça, est-ce que vous avez connu ça, Attends, là je m'adresse à tous ceux qui ont moins de 30 ans peut-être. Est-ce que vous connaissiez ce système de paiement par contre-remboursement? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le postier qui venait et vous payiez au postier. Et ça pouvait être des sommes très importantes. Ça aussi, je me souviens qu'on l'a fait. Donc tu donnais littéralement, enfin j'en sais rien, mais pour une console, tu pouvais donner 1500 francs à un postier. Et ça, pareil, ça n'existe plus. Bref. Ça, c'est encore un moyen de paiement qui a disparu. Toki. Sur Mega Drive. Ok. Ouais, j'aime bien cette conversion quand même. Elle n'est pas du niveau de la version arcade, mais elle n'est pas mauvaise. D'ailleurs, je voulais en faire un test. J'avais commencé à y jouer. J'étais arrivé vers la moitié. Après, j'étais passé à autre chose. Mais il faut que j'y revienne. Il est pas mal le Toki, il est juste un peu. C'est graphiquement, il fout un peu le cafard, et les couleurs sont un peu fades. Ce postier séquestré dans une cave obscure.
Avec nos turbo-postiers 2023, l'AS Béton contre remboursement. Non, mais ça serait... C'est inenvisageable. À moins qu'ils aient des terminaux... oui, tu pourrais... ça pourrait être fait, mais... Je ne sais pas. Super Adventure Island, le jeu qui en mettait plein les mirettes. Un titre remarquable que tous les possesseurs de Super Famicom devraient posséder au même titre que Super Ghouls and Ghosts. Je vous le dis, n'hésitez pas. Super Adventure Island, c'est du béton armé. Ça paraît, c'est un jeu dans lequel j'aimerais me replonger, ça fait longtemps. Je ne sais même plus comment il se joue exactement. Preview de Star Wars sur NES, très très beau jeu d'ailleurs, soit dit en passant. The Terminator, donc sur Mega Drive. Un jeu que j'ai jamais aimé. Super Waterbomb. Comment il s'appelle? Mizu. Mizu, je sais plus quoi. Est-ce que c'est quelle version ça? La version PC Engine, ouais, qui est très bonne aussi. Alors, malheureusement, il coûte une blinde maintenant. Et aussi sur Saturn aussi, il coûte extrêmement cher. J'aimerais bien prendre un de ces quatre quand même, mais bon. C'est dommage. Ça va vraiment un jeu hyper fun. Ah pardon. Mizu Baku no Daibouken. Merci cousin. Moi j'avais Razam en Mega CD1 Jap, puis l'avoir récupéré, acheté en magasin à Voltaire. Mais compliqué, quand quelques mois plus tard, le bloc CD m'avait lâché. Ouais. Ouais, c'est malheureusement le. Le Mega CD1 avec son tiroir était fragile. Enfin, Donald Duck. Ils sont sympas tous les Donald Duck sur Master System. Est-ce que. Je ne sais pas si Ozaki a fait un test de ce jeu. Attendez, une petite pub là. On voit. Donc, Mega News, le Mega CD à 3 990 francs. Mega News. Ok, les incontournables de Noël. Attends, mais. Donc il est. Oui, ah, d'accord, parce qu'il date de janvier, mais il est sorti. Doit être sorti en début décembre, alors. Ce numéro. Bref. Pour bien vous aider à passer vos commandes à Joypad, Noël, toute l'équipe de Pad a tenu à vous donner ses préférences devant tant de jeux. Allez, on va s'attarder un petit peu là-dessus. DreamFab, 21 de retard. Pour la neige, achète des chaussettes de pneus Michelin et entraîne-toi à les monter avant. Ok. Ok, alors j'avoue, j'ai jamais creusé la question, mais je vais m'enseigner. Bah, je te remercie, DreamFab. Est-ce que tu achetais tous les magazines de JV à l'époque? Non, je n'achetais que Joypad et Console Plus. Ce qui est déjà pas mal. Et je dis en priorité Console Plus. Ok, donc AHL, donc ses recommandations. À propos des incontournables, il ne faut surtout pas oublier les deux plus grandes stars des jeux vidéo depuis Pac-Man, Maître Sonic et Docteur Mario. Sonic est en pleine forme sur la Master System. Plus speed que jamais, il fonce à travers de superbes décors pour notre plus grand plaisir. Ça, c'est un jeu qui décoiffe. Ta gueule, la force est dans ta poche. Quant à Mario, il est également au meilleur de sa forme dans ses dernières aventures. Super Mario Bros 3 sur Nintendo est un jeu sur lequel vous allez passer une bonne partie de l'année. Et même s'il date un peu, Docteur Mario est un petit chef-d'œuvre. Alors, j'aime bien ces recos parce que. Il cite la version Master System de Sonic. Ensuite, Greg, trois titres m'ont particulièrement tapé dans l'œil. Valis 4 et Spring Anne. C'est marrant parce que Greg, c'était un peu le spécialiste japon, enfin le spécialiste import. Donc évidemment, des jeux que personne ne pouvait acheter, à part les Parisiens. Enfin, quoique par correspondance, si tu pouvais les acheter, mais Valis 4 et Spring Anne. Et moi, j'ai surtout flashé sur Zelda 3, sur Super Famicom. JM Destroy, pour ma part, ceux que je préfère sont en fait très peu nombreux. Donc, j'ai adoré Super Ghouls and Ghost. L'action est géniale, les graphismes fabuleux.
Ensuite, sur la Lynx, check red flag. Et ceux qui possèdent une Mega Drive, ruez-vous sur Quackshot. Graphisme géniaux et tout ça. Ok. Donc TSR, lui, c'est Phantasy Star 3, Noitopia 2 sur PC Engine. Et ici, t'as encore Quetshop, je pense. Ouais. Alors, c'est marrant, le pauvre Seb qui se retrouve un petit peu seul. Ah non, c'est pas le seul. Non, attendez, c'est complètement dingue là. Il y a deux testeurs sur 6 qui citent, tenez-vous bien, Blues Journée sur Neo Geo. C'est pas une blague. Donc, il y a Steph qui va même jusqu'à conseiller Burning Fight, vous voyez. Donc, j'étais pas le seul, hein. Burning Fight sur Neo Geo où la bastonnade et la destruction bat son plein, ou également, je cite, le magnifique Blues Journée. Le premier jeu de plateforme sur Neo Geo qui n'a absolument rien à envier aux autres jeux du même genre sur les autres consoles. Voilà, mais bon, j'ai tellement eu du mal avec Blues Journée que. Et c'est pas le seul, attention, il y a Seb aussi. Bon, la vache. Yes. Billy Bouline. Raggy n'est pas si mauvais, on lui fait un mauvais. Non mais j'admets que c'est subjectif, parce que c'est pas un mauvais jeu dans l'absolu, mais je n'aime vraiment pas ce jeu. Je n'aime vraiment pas Blues Journée slash Raggy. Voilà, c'est comme ça. Et crois-moi, j'ai essayé de l'aimer, mais il n'y a rien à faire. C'est plus fort que moi. Maintenant, comment vois-tu la presse? Enfin, je vais être très sévère, hein, mais pour moi, elle n'apporte plus rien, quoi. Je suis désolé, j'ai acheté quelques numéros, quelques magazines il y a quelques mois. Le problème, c'est que même, on va dire, dans l'approfondissement des sujets, il n'apporte rien. Parce que on peut citer plein de youtubeurs français qui font des dossiers. Des vidéos assez longues, fournies avec des sources qui sont pas des professionnels et qui explosent ce qui est fait actuellement dans les magazines. C'est qu'on a, on n'a même pas de contenu de profondeur dans les magazines actuels. C'est triste à dire. Alors je parle pas des MOOC, c'est-à-dire des magazines slash book comme Pix and Love, où là effectivement tu as quelque chose. Mais les magazines comme ça qu'on trouve dans les kiosques, je suis désolé, enfin, citez-moi des contre-exemples, hein, il n'y a pas de problème, et je serai le premier à aller voir et acheter un coup d'œil. Mais je sais pas, je peux citer Gunhead, bon, je suis pas un grand fan de ces vidéos parce que je suis pas la cible, mais Gunhead, vous regardez une vidéo de Gunhead, ça explose n'importe quel dossier que vous allez trouver dans un magazine, donc quel intérêt, quoi. Quel intérêt. Et puis même, bah, on sait, les gros dossiers. Moi, j'avais pris le numéro spécial sur Resident Evil. Ah, il y a quelques articles qui étaient pas mal, mais. Je suis un peu sévère, mais honnêtement. Moi, je vais vous dire, si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans les magazines papier, distinguez-vous surtout sur la pagination, la mise en page, la qualité de l'objet. Si vous réussissez à faire des beaux objets, en plus d'un contenu correct, là, moi, ça m'intéresse. Mais le problème, c'est que c'est même pas joli. Les magazines récents, ils sont affreux. C'est même pas des beaux objets. C'est ça le problème aussi, c'est que t'as rien en fait. Allez, une parenthèse fermée. Mais il y a un magazine là qui va sortir, excusez-moi, j'ai oublié son nom, c'est Retro Gaming, Super Retro Gaming, non? Dites-moi là, si vous, je suis sûr que vous allez me dire. Bon, on leur souhaite du courage et le succès, mais j'espère qu'ils vont bosser sur le graphisme, j'allais dire. C'est pas du graphisme, c'est de la mise en page, c'est du design. Ouais. Il faut que ce soit propre. Hein. Shadow Dancer sur Master System, 89%. Et ils sont gentils. Ils sont gentils avec cette version Master System, que je ne déteste pas, hein, mais qui est un peu frustrante parce qu'on aurait préféré l'avoir sur Mega Drive. En tout cas, cette version arcade. Shadow Dancer, c'est ce que j'appelle de l'arcade pure et dure.
pur parce que sur le plan technique, c'est joliment mouvementé et animé. Il y a même de petites synthèses vocales réussies. Dur parce que c'est un jeu difficile à souhait. Il ne possède que 4 stages et 4 autres stages. Mais il ne se termine pas en 2 heures pour autant. Cela vient de l'action sans temps mort. Ok. Et AHL, contrairement à la version Mega Drive qui prenait de grandes libertés avec le jeu d'arcade original, celle-ci est une conversion assez fidèle, même si quelques scènes ont disparu. En dépit de fréquents clignotements de sprites, la réalisation est très soignée, l'action très prenante. Un programme très prenant. Ouais, comme quoi ils n'ont pas descendu. Hein. Retro Game Mag, ok. C'est ça. Ouais, ça doit être ça, cousin Hubert. Ok. Le fond aussi, bah oui, il faut du contenu inédit. Vous voyez, là, ce que je suis en train de faire actuellement, là, j'essaie un petit peu de me documenter vis-à-vis des magazines japonais. Pourquoi ça n'a pas été fait avant, ça? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Je veux dire, alors, ça a peut-être été fait, mais... moi, avec mes modestes moyens, pourquoi j'arrive à le faire et pourquoi des magazines ne sauraient pas le faire avec des vrais japonisants? C'est quand même fou. Il y a tout un trésor à exploiter dans les magazines japonais. Et c'est pas fait. Et moi, je vais le faire, mais de manière complètement amateur. Parce que c'est pas mon boulot, quoi. Kirito le fait depuis 8 ans. Hein. Je m'en rappelle, Vegas. Bon, bref. Allez. Retour vers le futur 2. Putain, ça a l'air bien à chier, ça. Oh là 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 là. Retour vers le futur 2 sur Master System. Ah, ça donne pas envie. Hein. Dragon Crystal sur Master System. Ça vaut quoi, d'ailleurs, ça, c'est... Dragon Crystal, 68%. Un labyrinthe est un labyrinthe. L'action se répète et traîne parfois en longueur, le peu de maniabilité n'étant pas là pour arranger les choses. C'est quoi, c'est un action RPG ou quoi? Ça, j'avoue, je connais pas celui-là. Ah, c'est une daube, apparemment, ok. Super Kick-Off. Bonanza Bros, on a parlé hier, d'ailleurs. Il est joli, son Master System, en tout cas. 80%. Bubble Bobble sur Master System, 95%. Je l'ai celui-là sur Master System. Donner son avis sur Bubble Bobble tient quasiment du discours inutile. Tout le monde le sait, ce jeu est génial. Cette version Master System est excellente. Et AHL qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec Seb, Bubble Bobble est un jeu génial, nous ne sommes pas les seuls à penser cela. » c'est de la merde, ok. Merx sur Master System. Je connais pas cette version mais, Master System. Eh, il y a beaucoup de tests sur Master System. Hein. Mais je l'ai déjà dit, je crois. 74%. J'ai beau être un fan des jeux de type Commando, je ne suis guère enthousiasmé par celui-ci. Les graphismes sont assez moyens, me rappellent les tout premiers jeux de Master System. Les collisions de sprites sont plus que douteuses. Ça, c'est un sacré défaut quand même. Le jeu d'arcade original ne figure pas parmi les plus grandes réussites de Capcom. Si la conversion Mega Drive ne manquait pas de charme, le jeu ne présente pas un grand intérêt sur son système. Okay. Ouais, pourtant, sur Mega Drive, je trouve très bon. Mais... WrestleMania, ok, bon, je passe, hein, les mecs. Marble Manager, je passe aussi parce que je l'avais. On avait déjà parlé dans Console Plus, celui-là. Le Master System début 92, c'était encore ambiant, mais c'était la fin, oui. Mais apparemment, ça se vendait encore un petit peu. Hein. Alors attention, les mecs, ça c'est un jeu que j'ai... Attends, 90%, non mais ils sont fous. Ça, c'est l'un des jeux qui m'a le plus traumatisé. Les Simpsons sur NES. Putain, j'en garde des souvenirs, les amis. En fait, je comprenais rien. Je subissais ce jeu. Comment tu peux mettre 90%? Les nombreux fans de Simpson ne seront pas déçus par ce programme. Il se fout un peu de notre gueule, non? Enfin, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais non, je sais que c'est pas que moi, parce que mon pote, c'était pareil. J'en avais discuté en live, non.
C'est un jeu qui a traumatisé je sais pas combien de gosses. C'est un jeu très complet qui exige... Pardon. C'est un jeu très complet qui exige beaucoup d'adresse. C'est moins qu'on puisse dire. Une bonne dose de réflexion. Non, c'est un cauchemar. Après, sur le papier, c'est pas nul sur le papier, quoi. Parce que c'est vrai que t'avais un petit peu de réflexion. T'avais des sortes d'énigmes, en fait, pour progresser. Mais les comptes... Enfin, de mémoire, les collisions, elles étaient horribles. Contrairement à la plupart des jeux de ce type, si ce programme a remporté un gros succès, ce n'est pas uniquement à cause de sa popularité, mais grâce à ses qualités propres. Dis donc. Je sais pas, je pense que j'étais trop jeune, peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait plus jouable? Krusty Super Fun. Oui, je préfère largement un Krusty's Super Fun House sur Mega Drive. Qui est totalement jouable. C'est juste qu'après, il faut aimer le genre. Mais il n'y a aucun problème. Vraiment, je me souviens que ce jeu était injouable. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que c'est mes souvenirs. Hein. Mais après, j'ai envie de vous dire, je suis désolé. Ce qui compte, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Hein. Peu importe, après, si c'était bien pensé ou non. Le meilleur jeu Simpson, c'est peut-être le Roid Rage. C'est le jeu de bagnole, non, Baron? Non, je me souviens plus. Le pire, c'est qu'il donnait envie quand tu voyais le mag. Ouais. Oui, parce qu'il est pas moche. Ouais. Je l'avais sur Mega Drive. C'était la même merde. J'ai rien compris, oui. En fait, tu comprenais pas, quoi. Tu comprenais pas. C'était... En fait, il fallait pas être un gosse pour apprécier ce jeu, je pense. Peut-être pour un adulte, ça passait, ouais. Alors, attention, voilà. C'est pour ça que je suis dégoûté, les mecs. L'ancien propriétaire a carrément découpé des feuilles, des pages, là. Je suis un peu dégoûté. Parce que je vous cache pas que... Bon, je l'ai pas acheté que pour ça. Mais je voulais surtout relire ce test de Quackshot. Et là, il manque des pages. Bon, au moins, il y a au moins la fin, c'est pas grave. Intérêt 97%. Eh bien, les mecs, je suis désolé de le dire, c'est bien mérité. À l'époque, ce Quackshot, c'était une tuerie atomique. Quackshot. Incroyable. Un des plus beaux jeux que j'ai jamais eu sur 16 bits. Hein. Dans la lignée des Mickey Mouse, Quackshot est un véritable petit chef-d'œuvre, où la beauté des décors est équivalent que l'intérêt du jeu. Pour une fois, et contrairement aux deux jeux précédents, l'action de Quackshot ne se déroule pas linéairement, et c'est sans doute en cela que ce jeu de Sega surpasse tout ce qui a été fait. Voilà. L'animation des personnages, tout tiré des meilleurs moments des dessins animés de Walt Disney, les scrolling multidirectionnels, sans compter avec la musique, un jeu qu'il faut absolument posséder. Que Dieu m'écartèle de préférence sous anesthésie. Si on a déjà vu plus beau que Quackshot sur Mega Drive. Donc voilà, donc c'était un gros carton. Il est incroyable ce jeu. Et je dis pas, alors, je reconnais que en qualité propre, oui, c'est pas le plus grand jeu du monde. Les contrôles sont un poil flottant, quoique ça se joue très bien, mais il est peut-être un petit peu trop facile et tout ça, mais l'ambiance, quoi, c'est... Franchement, quand t'étais un gamin à l'époque, ce jeu-là, c'était le plus beau cadeau du monde. Tu offrais Quackshot à un gosse, il était heureux. Genre là, tu prenais pas de risque. Golden Axe 2 sur Mega Drive, 78%, la vache. Ah, ils l'ont bien défoncé, là. Ah, je l'aime bien, quand même, le 2, moi. Plus qu'une suite, Golden Axe 2 est en fait un remake. Tous les éléments phares de la première partie sont aussi repris. Ouais, là, il force un peu, là. Ah, c'est quand même pas les mêmes... C'est pas les mêmes décors non plus, faut pas déconner. Les monstres sont plus variés, l'histoire, la montation des scènes... Bon. Je trouve qu'il a mieux vieilli que le premier, quand même, le 2. J'aimerais vous mettre en garde. Ce second épisode exactement le même. Attendez, c'est pas possible. Hein. J'ai mauvaise mémoire ou pas là? Ce second épisode est exactement le même que le premier. C'est une blague. C'est une blague. C'est pas les mêmes décors. On est d'accord. C'est pas les mêmes scènes. Qu'est-ce qu'il raconte là? Mis à part les décors. Ah bah oui.
Mis à part les décors, le gameplay et le level design, ce jeu est strictement le même. Ok, d'accord. On retrouve les mêmes trois personnages. Bon, très bien, et alors ? Bon, après, je suis d'accord qu'il est comme, il est très proche, mais enfin, dire que c'est le même, non, c'est des conneries déjà. Bref, allez, on avance. Pit Fighter. Putain, 80% quand même. Attendez, non mais là, c'est une blague, là. Non, mais je veux pas, c'est de l'anachronisme, encore une fois. Attendez. Golden Axe de 78%. 4 pages plus tard. Pit Fighter, 80%. Et c'est les... Attends, en plus, c'est les mêmes testeurs, j'ai l'impression. Putain, c'est les mêmes testeurs, en plus. Pit Fighter 80%. Oh ouais, c'est mieux que Golden Axe 2, ouais, carrément, ouais. Ah putain, mais ils ont complètement craqué là. L'animation tout d'abord est largement à la mesure de nos exigences. Les combattants sont alertes et l'action est rapide. Déjà, généralement, quand tu utilises des termes un petit peu recherchés comme ça, c'est que t'es pas inspiré. L'animation est alerte. Les combattants sont alertes. Les personnages se déplacent avec la manette. On entend la musique. Il y a plusieurs stages. La progression est aisée. C'est un jeu vidéo. Très bien. Merci pour ces informations. Is 3. Sur Mega Drive, un titre que j'ai chopé sur Genesis, 76%, bah, yonk, ils sont sévères. Enfin, ils sont surtout sévères par rapport à ce qu'on vient de dire avant, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est les phrases qui veulent rien dire que tu balances quand tu n'as pas testé le jeu. Je pense que Mainilani a tout dit. C'est une simulation hyper réaliste pour l'époque. Bon, écoute, je veux pas en faire des tonnes parce que. Je me méfie de ces jeux qui ont des réputations de daube, alors que c'est peut-être pas une daube. J'ai pas assez joué. J'ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, une vidéo impression. Enfin, c'est quand même pas terrible. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même pas terrible, à minima? Bon. Ouais, c'est quand même... Je suis désolé. Non, je suis pas en train de dire que c'est une daube. D'ailleurs, je crois que dans ma vidéo, je dis pas que c'est une daube. Mais t'en fais vite le tour. En fait, ce qui était impressionnant, c'était les sprites digitalisés. C'est ça qui faisait son sel. Mais en termes de gameplay, c'était vraiment pas terrible. Ouais, c'est ChatGPT. Ouais. C'est un peu l'équivalent de ChatGPT. Ok, ensuite, Speedball sur Mega Drive. Alors, je vais vous faire un petit aveu. Speedball, c'est un jeu que j'aimerais aimer, mais j'ai du mal à aimer parce que j'ai du mal avec les contrôles. Il faut vraiment que je me force parce que je suis convaincu que c'est un bon jeu. Ben, c'est un jeu mythique déjà, Speedball 2, enfin Speedball 2. C'est un jeu mythique, mais j'ai vraiment du mal avec les contrôles. Il faut que je creuse. Et pourtant, j'aime bien l'ambiance. Hein. J'aime bien l'atmosphère, j'aime bien les références. C'est du rollerball, hein, pour faire simple. Alors, je sais pas ce qu'il vaut sur Mega Drive, est-ce que c'est une bonne conversion ou pas? C'est un bon portage plutôt. En général, je ne suis pas partisan des conversions sur console des succès micro, mais cette fois, c'est une excellente idée. Un Speedball 2 est une simulation sportive qui n'a aucun équivalent sur Mega Drive. Ça, c'est vrai. Oui, il y a évidemment Wrestle Ball de Namco, mais. Ok. Il est à conseiller à tous ceux qui avaient aimé la première partie et qui étaient restés sur leur fin. Le nom est plus fun que le 2, plus simple, c'est celui qui aurait... Ah d'accord, le premier est plus fun que le 2, ok. Ouais, non mais c'est un nanar, mais... Bon, je suis désolé, je pense que Golden Axe 2 est quand même meilleur. Pac-Man sur Mega Drive, 79%, alors que de plus en plus de jeux spectaculaires se succèdent sur la Mega Drive, on peut être surpris d'assister au comeback de Pac-Man. Ok. Bon, on est d'accord. Renark.
62%, bah écoute, je peux pas leur donner tort, malheureusement. C'est vraiment. Alors, je sais que les versions arcade sont évidemment souvent meilleures que les adaptations sur console, c'est sûr. Mais alors, quel gap entre la version arcade et la version Mega Drive. Oh là 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 là. C'est tellement énorme. Tu joues la version arcade, tu peux plus jouer sur Mega Drive, c'est impossible. Impossible. Ah là va, je tombe de haut. Avant de jouer à Renark, je pensais que du bien. Faut bien reconnaître que le jeu d'arcade lui était hyper sympa. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Là, par contre, c'est une autre histoire. C'est le downgrade de psychopathe. On retrouve ici rien de franchement très agréable. Les graphismes sont pauvres, les animations sont ridicules, les sprites moches et laids. Rien n'est vraiment génial, on est d'accord. C'est dommage parce que j'aime bien l'ambiance et tout, j'aime bien l'idée, c'était rigolo. Voilà, ce jeu est laid, incroyablement laid. On s'étonne qu'un tel programme trouve sa place sur la Mega Drive. Bon, après, je trouve ça toujours moins laid que Pit Fighter, perso, mais bon. ouais, le jeu de division d'honneur. L'animation, c'est abominable, n'en est pourtant pas moins médiocre. Bon. Ouais, c'est un peu comme Punisher, on est d'accord. C'est un peu le même délire. Ah, Virtua Fighter, ouais, il faut prendre du temps. Hein. C'est pareil, ouais. Shadow of the Best. Comme dirait mon pote. Je pense que je vais l'afficher jusqu'à la fin des temps. Shadow of the Best. 84%. L'adaptation. Alors. L'adaptation sur console saisie de ce hit sur micro est une réussite totale. Alors qu'il était beaucoup trop difficile, il n'est maintenant que difficile. Cela lui donne une durée de vie intéressante. Alors, bizarrement, Shadow of the Beast est bon. Alors que la plupart des jeux d'arcade de ce type sur Mega Drive sont d'une manière générale assez simple, Shadow of the Best est pour lui, et lui d'une difficulté incroyable. Oh là là, regardez-moi, cette pute de Shoot Again. Hein. Mega CD. Il y a même un petit commentaire, là, regardez. C'est le périphérique de l'avenir. Des possibilités hors du commun, des effets de zoom, de rotation, d'étirement. Cette merveille de technologie japonaise sera disponible chez Shoot Again dès la première semaine de décembre. N'hésitez pas à le réserver. Et attention, quel jeu propose-t-il ? Ernest Evans. La bonne grosse bouse. T'imagines le mec qui préco ça sur la base de ce texte. C'est le périphérique de l'avenir. Des possibilités hors du commun. Et après, tu reçois quoi? Ernest Evans. Le suicide. Ce malaise. Neo Geo, ok. Marble Madness sur Mega Drive. Ok, allez, on avance. Joe Madden Football. Ça ne vous concerne pas. Ah, Rolling Thunder 2, les mecs. Ah, je m'étais promis que j'allais faire un test en bonne et due forme de la série. Surtout que j'ai chopé le premier via Namco. Les Namco Collections là, sur PS1, sur PlayStation. Ça, il faut absolument que je le fasse. C'est mon projet. C'est mon rêve, tiens. Faut lui rendre honneur à cette série méprisée par certains. La bise à Deepfleck. Voilà un jeu qui était fort attendu et à juste titre. Il est carrément dément. Si vous aimez les combats, l'action dans le vrai sens du terme, les bastons, les intrigues d'agents spéciaux, même si les graphismes ne sont pas toujours tonitruants, l'action de Rolling Thunder 2 est tellement bien rendue qu'on s'éclate. Ah. Très bien. Seul reproche, la cartouche japonaise ne fonctionne pas sur Mega Drive officiel. Ouais, ok. Rolling Thunder 2 n'apporte rien de nouveau au principe du premier épisode, mais c'est comme les westerns, c'est un genre. Quand on aime ça, on ne s'en lasse jamais. Ouais, ça, c'est un test qui m'avait marqué, ça. Je m'en souviens. Parce que je ne l'ai pas eu à l'époque. Mais j'ai toujours été un peu frustré de ne pas l'avoir pris. Et j'adorais les graphismes, quoi.
Je voyais ça, putain, ça me faisait rêver. Ninja Gaiden sur Game Gear, 89%. Pareil, je l'ai testé si ça vous intéresse. Enfin, testé, non, je crois que j'ai fait une preview, je crois. Ice Battler sur Game Gear, c'est encore un jeu qui coûte 500 euros aujourd'hui, non? Gradius sur NEC, 86%. Ah, Gradius, c'est toute ma jeunesse. Ce bitoman. Non, je plaisante. Ça, c'est ce qu'on entendrait aujourd'hui. Ah, Street Fighter 2, c'est toute ma jeunesse. J'en ai usé des bornes sur Street Fighter 2 quand j'étais allé au Japon à sa sortie. Je rigue. Magical Chase, c'est énorme, les mecs. Putain. Je suis désolé de parler de fric, mais je suis obligé de parler de fric quand on parle de Magical Chase. Quand on voit son prix aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait complètement. Pour sûr, ce shoot'em up porte bien son titre, la chasse magique. C'est dingue de voir combien il peut y avoir de ces petites pestes à l'écran. Magical Chase est quasiment parfait. On n'est pas déçu. Bon, c'est surtout dans Micro Kids, surtout que je l'avais vu et qui m'avait charmé en quelque sorte. Au tout début, on est un peu déçu de constater qu'on a encore affaire à un shoot'em up des plus classiques, mais rapidement on se prend au jeu, on apprécie les graphismes mignons. Voilà, ok. Ensuite, Raiden sur NEC, sur PC Engine. Colenari, oui, PC Engine Works vient de rééditer, oui. C'est notre ami Xavier qui l'a présenté hier d'ailleurs. Cranky, j'ai vraiment joué comme un faux Street Fighter 2. Non mais attendez, je dis pas qu'il y a que des mythomanes qui disent ça, mais c'est pour rigoler. Ok. Ensuite, donc il dit sans innover dans un seul domaine, Raiden est pourtant un shoot'em up à scrolling vertical qui se défend pas mal. Raiden a le bon goût d'être un shoot assez difficile et on ne peut pas dire qu'il se finisse en 5 secondes. Raiden possède des qualités suffisantes pour être qualifié de bon. On parle comme des vieux cons nostalgiques ici, oui, peut-être. Écoute, c'est pas une insulte pour moi. Time Cruise 2. Alors, je veux dire, je ne le connais pas ce titre. 72%. Quoi, c'est du flipper. Je te rassure, je m'en souvenais plus. J'ai regardé sur la page du test de Bobby. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'était la version Gradius 95 sur PC 98. Hein, Dujin très bien fait. De nouveau niveau des îles. Ok. Vous parlez entre vous là ou pas? Ok. Les captures d'écran étaient propres. Ouais. Ça dépend des consoles en fait. Le pire, c'était sur Game Boy. Prince of Persia sur PC Engine. J'ai jamais joué à cette version. Je connais assez bien la version Super Famicom et la version Mega Drive. Ou plutôt les versions Mega Drive. Et Mega CD aussi. Mais PC Engine, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ici, des ordinateurs ludiques et du PC. Prince of Persia est un mi-chemin entre le jeu d'arcade et le jeu d'aventure recherche. Parfaitement réaliste. La démarche du héros est somptueuse. Accompagné du début jusqu'à la fin par une bonne sonore qui assure à donf. Impeccable une maniabilité, quoiqu'un peu difficile à assimiler au départ, Prince of Persia est un jeu superbement réalisé. Prince of Persia a donc un intérêt plus que limité, même s'il faut reconnaître la réalisation graphique. Ok. Bon, lui, là, on va dire que TSR est un peu moins emballé. Mais... Ok. Salut CGS. Méga dossier Noitopia. Oh, c'est un méga dossier qui doit s'adresser à 2-3 personnes, qui a dû s'adresser à 2-3 personnes en France. Mais c'était sympa de le faire quand même. Noitopia 2. Ça fait cher le dossier. Mais bon, c'est pour ça aussi qu'on aime ces magazines-là, c'est qu'ils traitaient vraiment de jeux assez obscurs finalement à l'époque. Les Tortues Ninja, donc sur Game Boy, 86%. Très beau jeu en tout cas. Hein. Au-delà, alors, bon, moi je l'aime bien, mais je suis un peu moins fan du gameplay. Bah, qui est un petit peu lié d'ailleurs à ces gros sprites.
Mais c'est en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment impressionnant pour la Game Boy. Pour la Game Boy. Je m'étais promis d'arrêter avec ces expressions pour. Le premier épisode est déjà bien amusant. Là encore, les graphismes sont de bonne taille, bien dessinés. Les animations ne sont pas parfaites. 86%, très bien. Dossier pour les Noitopistes. Salut Vovo. Coucou l'ennemi. Hubert, trop bon ton live d'hier, je pense. Chiche un narcissisme. Et live très court, ok. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai pas vu ton live. Je pense que c'est l'œuvre de AHL. Attends, c'est sûrement signé. Regardons qui a. Non, c'était Greg. C'était Greg qui, effectivement, était un peu spécialisé dans les jeux, les RPG japonais. Bah, vraiment. Vous voyez, c'est d'autant plus respectable que ça s'adressait à personne. Du coup, c'est encore plus beau ce qu'il a fait. Attention. Oui, donc je ne sais pas qui disait que c'était. Qui se posait la question, est-ce qu'il y a le test de Zelda 3? Eh bien, oui, il y a le test de Zelda 3. A Link to the Past. 99%. Comment leur donner tort, les amis? Pour le meilleur Zelda jamais sorti, selon moi. Source, mon cul. Mais c'est mon cul et c'est pas le vôtre. 99%. J'ai deux amours. Donc ça, c'est AHL qui parle. Zelda et Mario. Alors, inutile de vous dire quelle impatience j'avais. J'attendais ce troisième épisode pour la première fois sur 16 bits. Le jeu est génial, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Car il ne pouvait en être autrement. Il y a à peu près autant de chances pour que Nintendo rate un épisode de Zelda ou de Mario que d'avoir une tempête de neige à Nice. Pourtant, ça a dû déjà se produire, à mon avis. Le jeu est aussi riche et passionnant que dans les épisodes précédents, mais en plus, la réalisation est magnifique. Il faut voir le zoom sur la carte, une merveille. Comme vous pouvez s'y attendre, il y a des tas d'innovations qui donnent encore plus de profondeur au jeu. Si vous achetez cette cartouche, vous pouvez être certain que vous passerez des semaines, voire des mois, en compagnie du Link. C'est clair. Des jeux de ce niveau, on n'en voit pas souvent, et même les excellentes copies de Zelda, comme Noitopia 2, qui est excellent, ne supportent absolument pas la comparaison avec ce chef-d'œuvre. Ah ouais. Alors attendez, tiens, je vais vous apprendre un truc là. Est-ce que vous savez pourquoi Link a les cheveux violets ou roses, on va dire? Est-ce que vous savez pourquoi il a les cheveux roses dans Zelda 3? Eh bien, je le sais. Est-ce que vous savez? Eh bien, tout simplement parce que c'est tiré. Bah, c'est peut-être ce que tu dis, cousin Hubert. Je ne connais pas le nom. Bah, tout simplement parce qu'il a été designé par un mangaka. Qu'il avait designé avec les cheveux roses. Il y a même un manga, il y a même plusieurs volumes d'un manga. Et alors, si je dis pas de conneries, il faut vérifier, mais qui est sorti avant. Alors, cousin Hubert. Je sais pas ce qui se passe avec ton histoire là. En narcissisme, cousin Hubert, c'est un narcissique, cousin Hubert. Super EDF, 82%, il a été minoté, je crois, dans Console Plus. Ce n'est pas la première fois que j'ai envie de cracher dans la soupe, mais je commence à en avoir ras la moelle de raconter toujours la même chose lorsqu'il s'agit de Shoot'em Up. C'est sévère. 82%. Le jeu de Jaleco est assez réussi, doté de bons graphismes. Ah, il y a Castlevania 4 aussi, non mais ça c'est un numéro de folie là. Mais Castlevania 4 aussi. Takuya Imamura n'a fait que certains donjons et boss. Non, ça va pas être lui, attendez. Bon, le pire, c'est que je peux vous trouver le nom. Après, il faudra voir, est-ce que c'est l'œuf et la poule, hein? Mais en tout cas, il y a des mangas, mais je me demande s'il n'est pas sorti avant. Où Zelda a les cheveux roses. Et donc je me suis demandé, est-ce que c'est pas tiré de ça? Attendez, je vais vous trouver le nom, les mecs.
Alors, c'est Mono Talinou. Mono Talinou. Attendez, là on tombe sur des trucs d'hentai là. Est-ce que je me suis gouré ou quoi? C'est des trucs hentai. Attendez. Il y a une erreur sur la marchandise, les mecs. Tiens, regardez, attendez. Je vais vous envoyer un lien, vous allez voir. Ah, il a fait des trucs hentai aussi, en fait, hein. C'est pas des conneries. Bon, désolé, bon, c'est pas grave. Écoutez, on en discutera. On en discutera plus tard. Castlevania 4, allez, mecs. 80... Combien ils ont noté? 93%. C'est un poil sévère, je trouve, hein, putain. Mais bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je l'attendais, celui-là. Castlevania 4 est pour moi le meilleur jeu d'arcade disponible à ce jour pour la Famicom. Ok. Pour la Super Famicom. Tout est superbement réalisé, les décors somptueux. Voilà. Monsieur Konami, je crois que vous pouvez sortir une dizaine de suites à cette petite merveille. Une fois de plus, on a avec Castlevania 4 en présence, on est en présence d'une réalisation de taille sur Super Famicom, bien que les graphismes et les décors soient à mon goût. Bien que les graphismes et les décors de fond soient à mon goût. Un peu ter... Ah, d'accord. Ils sont un peu ternes et fades. Ouais. Enfin, la vache, ils étaient quand même. Ils étaient durs. Hein. Au cinquième niveau, il y a un truc tellement dément que je serais bien incapable de vous expliquer. Au niveau de l'action, Castlevania est également génial. L'ambiance du jeu est bonne. Ouais, ils sont. Eh putain, ils sont blasés, les mecs. Si je l'avais eu à l'époque, parce que moi, je l'ai eu beaucoup plus tardivement, quoi. J'aurais été comme un fou, mais bon. 93%, je trouve ça. C'est pas cher payé. Ok. Bon, il y a des astuces. Bah écoutez, c'est déjà fini là. Ouais, ok. Roller Games. Bah, encore un numéro mythique, hein, les amis. Hein. Encore un numéro mythique. Hein. De toute façon, les premiers Joypad, les premiers consoles plus, c'est énorme. Je mets pas Player One, voilà, je suis un peu sévère avec Player One, mais je n'aime pas les Player One. Les premiers Player One, pour moi, sont trop pétés au niveau des tests, il y a trop de tests hein, qui sont incohérents, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je regarde si j'ai raté des... Ouais, c'est complètement un numéro mythique, quoi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs des Joypads. Cela va en même temps que mon entraînement goût muscu individualiste vide de sens. Je n'aime pas non plus Player One. Ça se relie, mais c'est en dessous de console plus de Joypad. Ouais. Surtout les premiers, en fait. C'est ça qui m'a choqué, parce que... Je m'attendais à ce que ce soit qu'ils aient régressé, mais non, en fait, c'est le contraire, je trouve. Les premiers Player One, hors la nostalgie, bien sûr, parce que tu vois des tests de Simon's Quest. En fait, comme c'est les premiers, entre guillemets, de cette génération de magazines, ils ont testé des jeux qui n'ont pas été testés sur les autres magazines. Mais franchement, la qualité des tests, c'est vraiment à chier hein, dans les Player One. Hein. C'est un peu. T'as d'autres mains? Oui, j'en ai pas mal, ouais. Donc j'ai de quoi faire encore, les amis. On a de quoi faire des lives comme ça. Allez, les amis, bon dimanche. Je m'en souviens bien. Ouais, c'est un numéro qui m'a le plus marqué, celui-là. Et c'est notamment grâce à Quackshot. Hein. C'est Quackshot qui m'a le plus marqué dans ce numéro. Allez, ciao, à plus. Thank you.